Bonjour et bienvenue à Tao Secret de Chine. Cette semaine, nous avons une émission toute particulière et toute intéressante encore une fois. Nous allons découvrir... Les influences Nord-Sud sont le sujet du jour de cette semaine. Et la chronique avec Isabelle Lemay, une épicerie bonne pour la santé, vous n'avez pas parlé? Ah! Maintenant, on passe à l'entraînement. Ouais, à un moment donné, là, j'ai rencontré un monsieur qui me disait, vous autres, là, dans le kung-fu, là, c'est vous frappez avec les doigts, puis au karaté, il frappe avec les poings. Et évidemment, la distinction est beaucoup plus grande que ça, hein, j'espère que vous le saviez déjà. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler, bon, juste, je veux pas contredire le monsieur en question, là, sauf qu'on va travailler avec les doigts, parce que ce qui est important, là, c'est vraiment, là, c'est de partir de toutes les positions possibles de la main, puis les renforcer, de sorte que si vous aviez à les utiliser de façon réelle, elle devrait être vraiment utile également, OK? Parce que ça, c'est important. Parce que c'est bien beau de dire, on frappe. On voit les films de kung-fu, hein? T'sais, belle frappe avec le bec d'oiseau. Vous autres, vous arrivez, poimp, tu sais, le bec, là, et... OK? C'est pas un gag. Et finalement, bon, le principe est assez simple, là. Quand vous travaillez votre bec d'oiseau sur la saclerie, là, c'est vraiment de concentrer vos doigts ensemble. OK? Tout le monde, essayez-le, là. Vraiment, parce que souvent, là, bon, il y a un doigt qui part, là, c'est tout croche, comme ça, on fait ça demain, on fait ça demain. Gardez-le très droit. Concentrez là, vos poings en 5, évidemment, 5 points. On appelle ça comme faire la fleur, la fleur de lotus, là. C'est important. Parce que toute votre énergie, là, finalement, vous avez cumulé dans vos bras, là, quand on transmet un coup de poing, là, par exemple. On peut faire la même chose, mais transmettre ça dans le bec d'oiseau. Ça, c'est important. Parce que, bon, tout le monde connaît l'histoire des femmes à talons hauts, hein, tu sais. Une madame, là, qui est pesante, par exemple, qui est en talons hauts, là, au bout du talon, là, et... Il ne faut vraiment pas avoir le petit orteil sur ce coin-là, hein, parce que ça, c'est douloureux. C'est le même principe, finalement, c'est que lorsqu'on arrive, on frappe avec le bec d'oiseau, on doit concentrer la force de frappe. Donc, vous savez, dans le Hungar, il y a une influence de la tigre, du tigre, il y a une influence de la grue. Okay? Ça, c'est entre autres choses. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver ces techniques-là. Puis c'est pour ça qu'il faut les pratiquer aussi. Lorsque vous arrivez sur le sac, prenez-vous premièrement une chose bien importante, c'est un point précis. Okay? Parce que ça, c'est une chose qu'on oublie. C'est de pratiquer souvent. Des fois, je vais voir, bon, pratiquer. Ah, il faisait beau hier soir. Ça, c'est pas une bonne attitude. Il faut vraiment là, se concentrer, faire le vide. Parce qu'oubliez pas là, que votre cours, votre entraînement de kung-fu, là, c'est en même temps une vidange d'huile, hein? Une vidange d'esprit. Oh, on se replace. Donc, on se concentre, on prend la cible, on marque notre cible et... Oh! La semaine dernière, dans le cadre du sujet du jour, on avait abordé le principe de la création des styles de Kung Fu et de Tai Chi. On avait vu également qu'il y avait une distinction entre les styles externes et internes. Donc, je reviens avec ça parce qu'on va essayer de brosser un tableau qui va vous permettre de vous aider à vous démêler dans tout ça parce que j'avoue que ça devient assez difficile. Donc, dans les disciplines externes, on avait parlé entre autres de Kung Fu. Et dans les disciplines internes, il y en a plusieurs types pour s'entendre. Il n'y a pas vraiment par quoi le signer le Tai Chi Chuan, le plus populaire. Et c'est pour ça qu'on s'arrête surtout au Tai Chi. N'oubliez pas hein, que Tai Chi, ce n'est qu'une abréviation de Tai Chi Chuan, parce que c'est toujours du Tai Chi Chuan, hein, l'étude de l'action de l'énergie. Hein. Bon, dans les disciplines externes, et on pourrait donner un exemple pour vous aider à comprendre. Style externe, ça veut dire comme extérieur, dynamique, musculaire, cardiovasculaire. C'est-à-dire que si je prends une comparaison entre l'externe et l'interne, parce que le Tai Chi, c'est interne, donc c'est intérieur, estomac, poumon, rate, rein, c'est le système interne, c'est, comme on dit, plus méditatif, puisque la recherche, elle est vraiment au sens profond à l'intérieur de nous. Donc, le résultat externe se voit moins bien, sauf qu'au Tai Chi, par exemple, on peut prendre une heure pour déplier un coup de pied, ça, c'est un exemple. Évidemment, très rapide ce que je fais, là. Mais pendant une heure, déplier une jambe, c'est pas facile, ça. Ça pourrait être un exemple de degré de difficulté de style interne. Et au Kung Fu, le même coup de pied, il faudra en faire 5 à 7 par seconde. Donc, c'est quand même aussi difficile. Dans les styles internes, on exploite le fait que la lenteur est une difficulté. Il faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'à une certaine époque, la pratique des arts martiaux était interdite en Chine parce que l'empereur avait peur de perdre le contrôle de la population ou de perdre le contrôle de la Chine. Et les disciplines internes étaient une bonne façon de retirer l'impression que ça pouvait développer une puissance et surtout que ça pouvait être un art martial, puisqu'en voyant quelqu'un s'en aller tranquillement
vous avez jamais l'idée, vous auriez jamais eu l'idée que ça pourrait être justement un style d'autodéfense. Et ça, c'est pour compliquer les choses. Tout ça est régi par d'autres facteurs qu'on aborde cette semaine. Le principe nord-sud. Okay? Évidemment, la Chine se divise en deux, on pourrait dire en deux sections. Le fleuve Yangtze étant au milieu. La partie nord et la partie sud. Et si on s'arrête seulement qu'au Kung-Fu, par exemple, au niveau des styles du nord et des styles du sud, il y a des différences qui sont très importantes. Bon, on sait que géographiquement parlant, au nord de la Chine, c'est des plaines, c'est pas des rizières, c'est des plaines, c'est des terres, donc on est habitué de travailler dans les champs. Et au sud de la Chine, c'est justement les rizières, c'est souvent les jambes dans l'eau. Donc ça a influencé la création et le travail des techniques. En plus d'être créé par l'observation des animaux et tout ça, bien, c'est influencé par le principe nord-sud, puisqu'au nord, étant donné qu'on est dans les champs, on a des techniques qui sont beaucoup plus axées sur les déplacements rapides, par exemple, les techniques les coups de pied spectaculaires, les coups de pied très hauts, moins de force au niveau des bras. Bon, on existe, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins forts, c'est pas ça. On travaille moins précisément les bras. Et tandis que dans les influences du sud, étant donné qu'on est dans les rizières, on n'a pas à sauter haut, puis de toute manière, c'est très difficile, ça devient un degré de difficulté qui est presque impossible à contrôler. Donc, on les a mis à contribution. On recherche la stabilité, il n'y a presque pas de déplacement, ou sinon, pas du tout. Les coups de pied dépassent rarement la hauteur de la ceinture. D'ailleurs, ça, c'est une règle générale au style du sud, où la ceinture, c'est la hauteur maximum pour donner des coups de pied. Et les techniques de bras sont beaucoup plus puissantes. On insiste beaucoup plus sur le corps à corps. Tandis qu'au nord, bon, on ne se dérange pas de sauter, puisque ça peut être une attaque d'un homme à cheval, par exemple. Il fallait être capable de sauter assez haut pour l'atteindre. J'espère que ça vous aide un petit peu, encore une fois, à débroussailler tout ça. On poursuit avec l'entraînement. OK? Et on se pratique comme ça. Jusqu'à temps que vos doigts soient assez résistants pour frapper très fort, puis vous allez augmenter aussi votre force de frappe comme ça. OK? Ça, c'est le Dan Ok Jui, le nom de ça, le bec de la grue. OK? Il y a l'autre technique que vous connaissez... à cause du Tao Hunga, Yolong Iji. Hein? Yolong Iji, c'est frapper avec les poings. Qu'est-ce que je dis là? Avec les doigts. C'est les doigts dépliés complètement. Bon, Yolong Iji, finalement, son côté pratique, ce qui peut être pratique, c'est qu'il permet d'atteindre des endroits qui sont moins accessibles. Prendre Frédéric comme volontaire. Alors, Frédéric, en tant que mannequin officiel aujourd'hui, si on regarde, là, bon, il y a des endroits qui sont plus serrés, OK, lorsque vous avez des techniques à exécuter. Mais si on arrive avec Yolong Iji, oh! Ça rentre bien, entre autres, dans la gorge. On pourrait utiliser la patte de la panthère aussi. Parce que le point, oh, il passe comme ça, il passe pas. Voyez-vous, tout est une question stratégique. Et également une question de comment on veut transmettre cette force-là. Mais c'est bien beau, ça, de dire ça, là, d'avoir la main, les doigts ouverts, mais il faut quand même que les doigts soient capables de prendre l'impact. Je ne parle pas ici de manucure, hein, faut que vos doigts soient vraiment prêts. Donc, merci beaucoup, Frédéric. Donc, ce qui est important, lorsque vous allez revenir avec le sac de riz, encore une fois, c'est de vous habituer à pratiquer les doigts pour marquer votre cible, peu importe la hauteur. Ça, c'est important. Puis avant de passer, justement, parce qu'évidemment, il y a des exercices, c'est évolutif, ça, là, hein? c'est pas une finalité. Là. Le sac de riz, là, c'est pas un dieu, là. Il y a d'autres choses dans la vie. Mais ce qui est important, c'est que sachez qu'à chaque fois que vous voulez utiliser une technique de frappe en particulier, il faut vraiment la travailler. Parce que dans le Kung-Fu, là, il y a au-delà de 108 coups de poing différents. Juste au niveau du poing, il y a 108 coups de poing différents. On n'a pas fini, hein? Puis souvent, il y a des gens qui disaient « Ah, les coups de poing, les coups de poing, les coups de pied, les coups de pied, ou peu importe. » On entend souvent ça. Puis ça, c'est malheureux parce que ce n'est pas vrai. Parce que 108 coups de poing différents, ça veut dire qu'ils ont également une raison différente d'exister et qu'ils ont également un but différent. Mais il faut également les entraîner, les 108. Sinon, on ne peut pas avoir pleine efficacité. Comprenez? Parce qu'on va travailler aujourd'hui, on va s'attarder justement sur ces deux techniques-là, Dan Ok Jui et Yolong Iji. On va les mettre en mouvement, puis on va les mettre en application par rapport à ce qu'on a à faire dans nos postures. C'est beau? Alors, on prend place et on est parti. Au bloc page cette semaine, nous allons parler des mannequins bois. Le nom chinois d'un mannequin bois est Mok Jong. Vous avez sûrement déjà vu dans les films de Kung Fu, il y a régulièrement des différents bonhommes qu'on appelle... il y avait même un film sur les moines Shaolin avec les 18 hommes de bronze, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vraiment nécessaire de pratiquer avec le mannequin bois. Le seul principe de base est le suivant.
c'est que lorsqu'on se développe au Kung-Fu, on développe une puissance qui est quand même très grande, une force, une résistance qui est quand même très grande. Et si on veut se pousser, nous aussi, dans nos limites, ben, afin d'éviter de blesser un partenaire d'entraînement, par exemple, ou un copain d'études de Kung-Fu, on a créé le Mojong, pardon, pour justement nous permettre d'ouvrir la machine et aller plus loin dans notre précision, dans notre force de frappe, dans notre capacité de contrôler des paramètres différents. Ouais, ici, vous avez un exemple de ce que nous, ce qu'on a surnommé un porc-épic, puisque c'est un mannequin. Bon, en partant, il est rotatif, donc il tourne. Il donne environ 250 livres d'équivalent en termes de poids et de masse à déplacer. Donc, si vous réussissez à frapper un coup assez fort pour que le mannequin fasse un tour complet, bien, ça veut déjà dire que vous frappez quand même très fort avec vos blocs ou même votre force de frappe. Et il faut quand même faire attention, puisqu'il y a des bâtons, des bras dans toutes directions, bien, il faut penser quand même à dégager nos jambes et nos techniques de bras en conséquence de ces mouvements-là. Ce qu'on ne retrouve pas chez un être humain normal, je ne veux pas dire qu'on s'entraîne spécifiquement pour attaquer, parce qu'il faut faire attention. Le Kung-Fu, c'est toujours un principe de défense. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la tradition, on ne va jamais dans les compétitions, parce que ce n'est pas vraiment un but. Ça ne devrait même pas être un but. Sauf que le mannequin, justement, a été créé dans ce principe où on pouvait se développer sans risquer de blessure pour quelqu'un d'autre et pour nous également, parce qu'il faut quand même faire attention d'être prêt à jouer là-dessus. À partir du moment que vous êtes prêt à jouer sur le mannequin de bois, ben vous êtes lancé. C'était donc l'histoire Block Flash pour le mannequin de bois, le Mojong. OK, donc Yolong et Ji, ça se traduit comme les dragons qui sortent de l'eau. Hein? Yolong, long, c'est dragon en chinois pour ça. Comment on va le travailler? C'est simple, en serré Ping Ma. Hein, tout le monde connaît cette position-là. Allez, tout le monde! Les vacances. Tout le monde est dans serré Ping Ma. Et ce qu'on fait, c'est pivoter à gauche en position Ding Ji Ma. Et là, vous lancez Yolong et Ji. OK? On revient serré Ping Ma. On va commencer Ja. Yat. On va aller directement, par contre, à droite. OK? Yi. Som. Say. Look. Chat. Bat. Kao. Sap. Yat. Yi. M'a vous donné une boîte. Oh! Direct dans la boîte. Som. Say. Look. Chat. Bat, KO, sap, yat, yi, som, attention, j'ai une femme et des enfants à nourrir, say, look, chat, c'est ça, bat, KO, et sap. C'est beau, OK, on relaxe un peu. Ça, c'est bien important, là. Toute votre énergie, votre chi, là, vous le transmettez au bout de vos doigts. Fiu, ça sort directement, ça, OK? La cible, c'est pas vraiment important pour l'instant. Ce qui est important, c'est de sortir le mouvement et de faire une bonne technique avec. Maintenant, deuxième chose. On le fait en bougeant pour commencer. On peut le faire sur place aussi. Toujours à partir de ses épingements, on va simplement le lancer comme ça. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va le combiner avec une descente et on va revenir avec. C'est beau? On l'essaye? Yat. Yi. On pique. Tap, pique, c'est ça. Som. Say. Look. Chat. Bat. KO. Sap. OK, c'est bien. Ça prend 20 secondes, ça. Ce qui est important, c'est que quand vous faites votre mouvement dans le Jui, OK, le bec de grue, c'est que dans votre feeling intérieur, c'est vraiment la... Vous avez la tête du héron avec son bec. OK, donc, c'est comme si on tirait un mouvement, puis je m'en viens frapper avec. OK, pensez au mouvement, le film, le Karate Kid. Là, hein? C'était quoi, donc, peinturé en haut, je ne sais pas trop, là, de montée, descente, là. C'est le même mouvement, en fait. OK? Et ça, ça peut servir comme de côté. Puis là, le mouvement qui n'est pas facile à pogner, là, c'est d'aller frapper de côté comme ça. Mais ce qu'on va faire, on va simplement se placer du Yoling Ma. OK? Contradictoire, la position du chat avec le bec de la grue. Ça n'a pas rapport. Donc, on va pratiquer. Un, on va aller frapper sur le côté, comme si j'étais comme ça. Par exemple, Martin. Il lance un coup de poing, Martin. Oh, je bloque et POC! Je m'en viens frapper derrière l'oreille ici, comme ça. Donc, on va le pratiquer sur. On est en position du Yoling Ma et je m'en viens frapper. Je reviens ici. Oh, je tire, frappe. Pas pire?
OK, on y va ensemble. On se place donc du Yo Ling Ma. On met un kyo sao en avant, exactement. Yat, je tire et je vais frapper. On se replace kyo sao. Yi. Som. Sei. Mm. Look. Chap. Bat. C'est ça, faut que ça explose vraiment sur la pointe, hein. K.O. Sap. C'est ça, bien frappé. C'est ça. L'autre côté, même chose. Yap. Yi. Moi, je n'ai pas. Som. Sei. C'est ça, faut que tu bloques bien. Mm. Ouais, attendez que je lance le point hein, quand vous voulez l'adapter dans la cible. Là. Look. Chat. Bat. K.O. Ça va bien tout le monde? Oui. Ça va bien tout le monde? Oui. Alors aujourd'hui à l'entraînement, on va travailler Fujar. C'est pas vrai qu'on n'a pas travaillé ça. Juste pour vous donner les consignes d'ouverture Fujar, on se rappelle que c'est bien important. Partir des hanches, on s'en va à l'extérieur, on se garde toujours un demi-lune. Okay, ça, c'est important. La patte de tigre, très forte pour renforcer votre bras. N'oubliez pas que la patte de tigre, là, on voit toujours toutes sortes de pattes de tigre. Ça, c'est Tiger Style, ça, c'est Arthrite Style. C'est pas la même chose, OK? C'est bien important, là. Ouais, c'est ça. C'est bien important, là, parce que ça, là, ça joue un rôle plus qu'esthétique. Ça joue vraiment un rôle là, essentiel dans votre répartition de force. Parce que souvent, là, changez votre mouvement, là, faites ça de même, là, vous n'aurez plus le même feeling du tout, du tout, du tout. Donc, la patte de tigre, c'est les doigts décollés, pliés comme ça, pas trop, puis il y a un trou dans le milieu, là. Ça, c'est important. OK? Donc, Fujar, ce qui n'est pas compliqué, on va le pratiquer tout simplement en serré-pignement. On va le partir comme ça. La position serré-pignement. On va s'abuser comme ça. Ce qui est important là, dans votre mouvement, c'est que on crée un demi-lune, mais c'est un genre d'effet d'optique parce que la rotation se fait au milieu du bras. OK? Et vous revenez aux hanches. Oh! Comme ça. Juste pour permettre de sortir, s'il y avait un coup qui arrivait, il va sortir de toute manière. On va le pratiquer tout à l'heure. Là. On va le faire aussi avec un coup. Vous avez bien compris? Oui? On s'installe donc en serré-pignement. Yap. Yi. Som. Sei. Hum. Loup. Chap. Bat. Tao. Et ça. OK. Yap. Yi. Som. Sei. Hum. Look. Chap. Bat. Tao. Sap. OK. C'est bien ça. Maintenant, on va l'appliquer en rotation parce que ce même mouvement-là, là, qui va nous servir beaucoup en position Dingjima. OK? Donc, je sors de côté Dingjima, je fais ma rotation et il va sortir. Ce qui est important, c'est que changez pas votre plan d'action. Là. Quand vous faites votre rotation, c'est toujours la même erreur qu'on voit là. C'est qu'à cause qu'on tourne, vous faites un mouvement en rotation aussi. Comme si, bon, Dingjima, puis on exagère le mouvement finalement. Il ne faut pas faire ça. Votre mouvement par rapport à vous-même, là, il est toujours centré. Mais votre corps, lui, par rapport à la surface, se déplace. Ça, c'est une autre chose. C'est bien compris aussi? OK. Yat. Yi. Som. Sei. Hum. On ne bouge pas, on va faire juste un check-up. Assurer que votre mouvement est bien centré. Look. Chat. Bat. K.O. Sap. Ah, ça vient du bon sens. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, excusez les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter tout simplement l'autre Fujar. On va faire comme Dan Fujar. Comme ça, on en faisait deux. Je fais donc mon bloc ici et en même temps, je rentre ici. OK? Comprenez-vous? C'est beau? Look. Chat. Bat. K.O. Sap. Yat. Yi. Som. Sei. Hum. Look. Chat. Bat. K.O. Et ça. OK. Ça a du bon sens. Ce qui est important, là,
Il faut voir la rotation de votre foujard en bas. Hein. Puis l'autre qui sort, surprise. Pour que le mouvement soit vraiment élancé. Il ne faut pas arriver sur une foule sec. Comme ça, parce qu'oubliez pas, il y a un mouvement qui s'en vient. Donc, on roule autour et on lance l'attaque aussi. C'est beau? OK. Là, on va le faire en déplacement avant. Donc, de ces épingements, les points aux hanches, ça c'est bien important. Et on se déplace vers l'avant. Replacez bien votre position d'Injima et j'ouvre ma position. OK, down foujard. Yap. Yé. Somme. Say. Look. Chat. Bat. Tao. Et ça. OK. L'autre côté. Même chose, mais faites bien attention pour sortir le foujard, là. Bien ouvert, là. Avec le demi-nul, en bonne position. Yap. Yi. Somme. Say. Look. OK. Caucus. On va commencer par enlever ma montre. Porteur. Non, merci, quand même. OK. Ce qu'on fait avec l'anisette volontaire, ce qu'on fait, là, c'est appliquer hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est loose, out. Donc là, on a un coup de poing qui s'en vient dans le ventre. Est-ce que tu fais le bandit, Lisette, ou c'est moi qui vais le bandit? Tu vas être le bandit? OK. Donc, on a un coup de poing qui s'en vient dans le ventre. Vas-y, fais juste le sortir. Je sors le loose, out, ça haut comme ça, et le full jar comme ça, là, en plein, en dessous du nez. Parce que ça, en fait, sa traduction, là, comme quand on fait dans le full jar, c'est comme le chat lave le visage. Hein, on va dire, ça fait plus que laver, ça décape, hein? Donc, on fait la même technique. Je reviens de ces épingements quand le coup de poing est lancé. Parce que là, le bandit, lui, il faut qu'il soit un petit peu plus libre pour comme lancer son coup de poing comme ça. OK? Donc, quand il est lancé, je rentre dedans et on sort la technique en même temps. OK? Mais visez bien à l'abdomen. Parce qu'éventuellement, on va faire d'autres techniques qui vont viser ailleurs. Mais ça, c'est pour celle-là, on va s'arrêter seulement qu'à l'abdomen. On s'installe? C'est beau? Oui? Donc, n'oubliez pas de faire votre salut. On se salue. C'est très important. Exactement. Donc, ouais, c'est ça. La rangée ici va être les bandits. Donc, en arrière, même chose. Deuxième rangée, les bandits. On est en mode bandit. C'est ça. Toi, Pierre, vous allez faire, vous autres, les foujards, dans le foujard. On y va. Yat. Yi. Som. Say. Look. Chat. Bat. KO. Sap. Merci beaucoup. OK. Dans la pratique du Kung Fu, ce qui est très important, c'est les distances. La notion de distance a une valeur inestimable, puisque dans un premier temps, on apprend à exploiter au maximum la portée de nos mouvements, que ce soit nos bras ou nos jambes. Mais lorsqu'on n'est pas capable d'exploiter au maximum parce que l'adversaire ou l'agresseur est dans une portée plus courte, si je prends Frédéric, par exemple, comme volontaire, involontaire, merci Frédéric d'avoir accepté cette invitation. C'est vrai. Admettons que je suis très collé sur Frédéric, donc le coup de poing, coup de pied devient presque handicapé dans ces conditions-là. À ce moment-là, il y a un outil qu'on peut rapprocher, c'est le coup de coude. C'est très important parce que la mesure, on le sait, c'est comment ça fonctionne. Les doigts ouverts, c'est la mesure la plus longue. Le poing fermé, c'est plus court, et le coup de coude, c'est encore plus court. Okay? Ce qui n'est pas négligé dans le coup de coude, et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même 4 fois plus fort qu'un coup de poing. Si on prenait une mesure de votre coup de poing et de votre coup de coude, probablement vous frapperiez facilement 4 fois plus fort. Mais encore, faut-il savoir comment frapper. Hein? Ce qui est très important avec le coup de coude, c'est de toujours frapper avec la partie plate du coude, et non le, ce qu'on appelle vulgairement le moignon, là, ou la partie arrière, ou sur le dessus. Des fois, on voit la lutte, là, coup de coude comme ça, là, mais en fait, c'est pas une bonne méthode, hein, c'est vraiment pas une bonne technique. Ce qu'il faut arriver à faire, bon, excuse-moi, Frédéric, j'utilise ta mâchoire comme cible. OK, remarquez qu'un coup de coude, ça peut être partout, là. Mais le bras très droit, le poing même hauteur que l'épaule, de sorte que l'angle
est vraiment droit entre le bras et l'avant-bras. Les deux sont en parallèle. Toute la poulie, le mouvement se fait par l'épaule. Ça, c'est très important. OK, c'est beau. Parfait, on se replace, on pratique le coup de coude avant. En position, c'est épinement. Frédéric, t'es-tu senti agressé, hein? Donc, de face, on va tout simplement donner le coup de coude. Votre cible, c'est vous-même, OK? Votre visage, on va porter le coude sur notre mâchoire. Prêt? Yap! Yi! Somme! Seik! Bon, là, on a vu le coup de coude avant, mais il ne faut pas oublier qu'il faut être capable d'irradier 360 degrés, hein, parce que peu importe les positions que vous avez, si Frédéric était derrière moi, par exemple, comme agresseur potentiel, il faudrait que je puisse aller le chercher facilement d'un bord ou de l'autre avec n'importe quel type de coup de coude. Non, mais il faut les pratiquer, ça, c'est important. Le prochain qu'on va pratiquer, justement, c'est celui toujours coup de coude avant, sauf que lui, c'était comme de côté, mais là, c'est par le dessous, comme ceci. Et la technique est simple, là. Évidemment, je vous rappelle de faire attention quand même à votre poing, parce que vous ne voulez pas vous auto-frapper. Hein. Fait qu'il faut toujours garder une bonne technique. Toute la force de votre mouvement est sur le coude. Donc, toujours le plateau ici là, qui appuie sur la... qui prend la puissance. Et la force vient de vos pieds, donc il ne faut pas se monter. Comme ça, sinon, si vous diminuez votre stabilité, bien, vous diminuez aussi la force de votre coup de coude. OK? Donc, comme ça, sous le menton. Toujours en s'épaillement. Allons-y! Yap, yi, som, say, look, chat, bat, kao, sap. OK, ce qu'il faut faire attention, là, c'est de ne pas crochir le corps. Hein. C'est bien important, votre plateforme à vous, elle est très stable. On continue. Yap, yi, som, say, look, chat, bat, kao, et sap. OK. Deuxième mouvement, on va le faire vers l'arrière directement. Là, c'est pas facile, là, celui-là. C'est le point directement des hanches, va partir, frapper en arrière, un petit coup sec. Vous allez voir, il n'y a pas vraiment beaucoup de feeling. Mais si on le pratique dans la partie la plus difficile du mouvement, soit celle à partir des hanches, quand vous allez avancer puis vous allez devoir reculer, ça va être beaucoup plus facile comme ça. Tout le monde s'est bien compris? On l'essaie. Yat. Yi. Somme. Ça y est. Look, chat, bat. Donc, tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est à partir directement des hanches, le coup de coude arrière. Mais c'est sûr que dans la vraie vie, là, on marche pas les poings aux hanches. C'est parce que là, dans le fond, ce qu'on veut mesurer, c'est la situation la plus difficile et développer la force la plus grande avec la situation la plus difficile. Ce qui veut dire que si on n'est pas en situation facile, ben, notre force sera encore beaucoup plus grande. L'application, je pense que vous l'aviez deviné, c'est comme ça. Tassez-vous en arrière, là. Alors, quand même, hein? On va le pratiquer sur bouclier, tout simplement à partir de ces épingements. Le bouclier va être tout simplement directement vis-à-vis votre coude et boum, on rentre dedans. C'est beau? On se prend donc un bouclier et on pratique ça. Excuse-moi, Richard. Donc, deux rangées. Encore une fois, oui, toujours deux rangées. La ligne, ouais, ben c'est ça, la ligne du fond, là, ceux qui ont les boucliers, là, on s'entend comme ça. Ici, même chose. Placez les boucliers du même côté, par exemple, pour que ce soit plus facile à vérifier. C'est ça, Alexandre, tu peux traverser l'autre bord. OK, donc, on se place ces épingements. Prenez une bonne distance pour que vous puissiez être à l'aise et confortable dans un côté de l'autre, dans votre position. Prêt? Côté gauche, convention de groupe. N'oubliez pas, convention internationale dans le coin. Allez, c'est hop, international dans le coin. Yap. Yi. Somme, say, look, chat, bat, kao, et sap. OK, caucus. Petites erreurs ici qu'il faut éviter, c'est lorsque l'on prend le bouclier. Ce qui est très important, c'est que télégraphiez pas votre mouvement. Là, on sait que vous allez donner un coup de coude parce que la plupart d'entre vous, là, hein, petit twist, un petit là, technique, là, comme ça. Comme si on voulait se donner plus de puissance. Il faut vraiment s'habituer à être au neutre et on dégaine. Pouf! Direct.